Allez, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose des cuisses de canard à la sauce vin rouge. Donc ici, vous avez 4 cuisses de canard, c'est une recette pour 4 personnes. Là, on aura une cuillère à soupe de maïzena pour épaissir notre sauce. Là, j'ai coupé 2 échalotes en morceaux. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe d'huile. Alors là, j'ai fait un bouillon avec 100 ml de vin rouge, 200 ml d'eau et un cube de volaille émiettée. Là, j'ai 200 g de carottes, la carotte congelée, j'en aurais eu de la fraîche, j'aurais mis bien sûr de la fraîche. Même chose pour les champignons, j'ai 200 g de champignons de Paris congelés. Si vous avez du frais, vous mettez du frais. Là, c'est les poivres selon la convenance de chacun. Et puis moi, je vais rajouter aussi certainement 2 cuillères à café de concentré de tomate. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode manuel. Et puis, on va se mettre en mode doré. On verse l'huile dans la cuve du Cookeo. Allez, on va faire dorer nos cuisses de canard. Je suis à 5 minutes de fonction dorée, je vais ajouter mes échalotes. Maintenant poivrer. Pour le sel, je rajoute au moment de déguster et je vais verser maintenant mon bouillon. Alors pour le bouillon, donc 100 ml de vin rouge, 200 ml d'eau avec un cube de volaille émietté. On va programmer maintenant la cuisson. On va arrêter la fonction dorée. On passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Moi, je vais mettre là, je vais avoir une viande qui se détache bien. Je vais mettre 25 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Je peux fermer mon couvercle. Et bien, à tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez, la cuisson est terminée. On ouvre notre Cookeo. On va maintenant ajouter les carottes, les champignons de Paris, et maintenant on va reprogrammer une cuisson. On va prolonger la cuisson pour 5 minutes, ça me paraît pas mal. Je referme mon couvercle. Et bien, à tout à l'heure. La deuxième partie de la cuisson est terminée. On ouvre le Cookeo. Allez, je vais maintenant ajouter mes 2 cuillères à café de concentré de tomate. Je mélange tout ça. Maintenant, on va repasser en mode manuel, en mode doré. Je vais rajouter maintenant, pardon. Eh bien, ma cuillère à soupe de maïzena diluée dans de l'eau. Et on va épaissir la sauce. Alors, c'est très simple. Hein. Si la sauce n'est pas assez épaissie avec une cuillère à soupe de maïzena, ben, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute une autre. Donc là, on va attendre que la sauce épaississe.
Et j'ai rajouté une deuxième cuillère à soupe de maïzena diluée dans l'eau. On va faire un tout petit peu plus. Et là, on devrait être pas mal. Après, vous pouvez choisir un accompagnement, du riz, des pâtes. On peut faire des pommes de terre, pourquoi pas. Voilà, la sauce est en train d'épaissir, ça devient sympa. Et bien voilà, je vais arrêter mon cookie maintenant. Et voilà, après je ne sais pas encore à quoi je vais servir cela. L'avantage avec le cookie, pendant que je réfléchis à la cuisson des légumes, je peux me mettre en maintien au chaud. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.